Allez, c'est parti, messieurs, dames. Let's go. Je t'assure que c'est fort. Mais oui, mais on regarde une vidéo, là. C'est le principe. C'est le principe. Hello, everyone. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27th, is the date the Pokemon Red and Pokemon Green games were released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. We've now reached our 26th year since the birth of Pokemon, thanks to the support of all you trainers around the world. Synchro labiale. Synchro labiale. Every one of you. Elle est parfaite. Today, we would like to present the latest updates on a number of games. So I hope you'll watch to the very end. Bien sûr. Vous ne manquez aucun jeu. Snomia, please take it away. Où sont mes notes? Où est mon... Hello, I'm Takato Utsunomiya from the Pokemon Company. Bonjour. Allow me to jump straight into sharing the latest updates with you all. First is an update on Pokemon Go. Enough. Mais oui, mon truc pour prendre des notes, en fait. Ah. Non, après, Pokémon Go, c'est très joué, en vrai. Moi, je m'en fous, parce que j'y joue pas, mais c'est très, très joué, quand même. Donc, Pokémon that first appeared in the Alola region of the Pokémon Sun and Pokémon Moon games will be appearing in the world of Pokémon Go beginning March 1st. Until then, Alolan Exeggutor will be appearing in Pokémon Go. We hope you'll try catching them for yourself. Now, I'd like to share some news about a few of our other games. Super. Ah. This February, Pokémon Masters EX celebrates its 2.5-year anniversary. Right now, as far as trainers go, there are over 142 in total that you can team up with. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. By completing Victory Road, not only can you team up with Cygnusuit Red, Cygnusuit Blue, or Cygnusuit Leaf, but you can also receive 5,000 gems. Un maximum de monnaie in-game. Starting tomorrow, Mei and Latias arrive, with Mei in a special outfit. This sync pair can turn the field of play into psychic terrain, powering up all psychic type sync pairs. Skyla and Tornadus also debut. Non, mais vous savez que ce jeu, les gens qui y jouent l'adorent, hein, vraiment. They're skilled at supporting flying types and using interference against. Moi je joue pas à ce jeu, mais apparemment il y a un truc, hein. You'll also be seeing Flygon with Raihan in a special outfit. With moves like Sandstorm and Max Flare, they can create several weather conditions. To celebrate the 2.5-year anniversary of Pokémon Masters EX, players now have the chance to scout up to 100 sync pairs at no cost. But that's not all. If you log into the game after this presentation ends, you can receive a present of 3,000 gems as our latest campaign begins. We have a variety of other content lined up as well. Now is the perfect time to play Pokémon Masters EX. Tu m'étonnes. Don't miss out. Tu m'étonnes. Ah, Pokémon Café, c'est ce que j'attendais. Pokémon Café Remix, the puzzle game where you mix and match alongside Pokémon. Introducing deliveries, a new way to play. Pelipper will deliver drinks and dishes to Pokémon far away and spread word of your café. At Pelipper's destinations, you'll have the chance to meet Pokémon that are new to Pokémon Café Remix. Gather new special outfits and unlock hidden specialty gimmicks that give you an edge in puzzles. The mythical Pokémon Victini appears for the first time in Pokémon Café Remix during your deliveries. Its powerful skill will be very helpful in the new puzzle mode coming early 2022. Deliver drinks and dishes to Victini to have it join your staff. Additionally, there will be three events to celebrate Pokémon. Il reste plus que 8 minutes, hein. The first event is Bulbasaur's Happy Pokémon Day. There will be a 7-day special login bonus. And on your first login, you can get Bulbasaur's limited time celebratory crown outfit. For the second event, there is an increased chance of Shiny Piplup appearing. Starting now, for 4 days, Shiny Piplup will have a greatly increased chance of showing up. Allez! Use this opportunity to have it join your staff.
And for the third event, you can use an 11 times express delivery item at no cost. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times. 7 minutes. You won't want to miss this. As the second anniversary of the game approaches this June, get ready to welcome tons of new Pokémon to the cafe. Have fun playing Pokémon Café Remix on both Nintendo Switch systems and smart devices. Merci. Alors, petite journée sur Pokémon Unite, là. Bon. Since Pokémon Unite launched last July, lots of Pokémon have joined the fray. Pour le moment, c'est ce qu'on avait dit, hein. Together with unique Pokémon like Dragonite. On avait dit Pokémon Go, Pokémon Café, Pokémon Unite. Il y a eu les trois pour le moment. Après, il reste 7 minutes, hein. Fire off your Pokémon's moves over and over in new, intense, limited-time battles. Full Fury Battles, added today, February 27th. Attends, quoi ? Partie rapide ? You can try out any Pokémon in standard battles and quick battles on special days posted on the official Pokémon Unite website. Furthermore, there is a Pokémon Day event happening right now in Pokémon Unite. The mythical Pokémon Hoopa joins the roster during this event. Hoopa can warp ally Pokémon to other locations. Use blindsiding team tactics to get the drop on the opposing team. Using Hoopa's Unite move, turn into Hoopa Unbound and go wild. While the Pokémon Day event is going on, all players can try out Hoopa. Ah, genre tu peux va jouer un jour et après c'est terminé, bonsoir. Ah non, jusqu'au lundi 14 mars. OK. All players that log in now will receive commemorative Pokémon Day trainer fashion items. En vrai, je vais peut-être me connecter juste pour prendre ça. Use this Pokémon Day event as a chance to experience the heated battles in Pokémon Unite. And finally, allez, enjoy a preview of the next Pokémon that is slated to minutes. Join Pokémon Unite in the future. 5 minutes. Please continue to look forward to more content in the future in Pokémon Unite. Pour, marquer l'histoire. Nintendo Switch pour and étonner mobile. L'ensemble des auditeurs. Next, allow me to share some news about the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Pokémon Shining Pearl. Pokémon games. Homme. Allez, event. Soon, we'll send out Oak's Letter, an item that will allow you to encounter the mythical Pokémon Shaymin within Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. Okay. You'll be able to claim this item as a mystery gift later, after this presentation ends. You can add Shaymin to your team and enjoy exploring the Sinnoh region together. Bah, merci pour l'énorme spoil. Next du coup. Up, we have some news about the Pokémon Legends Arceus game. Mise à jour graphique. Non, je déconne. C'est une vanne. Attends, c'est des nouvelles apparitions massives ? C'est vraiment ça ? Mise à jour logicielle V1.1, l'éveil de Isui. Disponible dans la journée. Attends, c'est une salle de combat, ça ? Ah, oula. We are pleased to announce the Daybreak update for Pokémon Legends Arceus, which will be available to players at no cost. Kratos. You'll begin a new investigation into a curious phenomenon that is causing mass outbreaks of Pokémon across the Hisui region. You'll also be able to engage in new Pokémon battles at the training grounds. The Daybreak update will be available later after this presentation ends. Pression massive, nouveau combat en gros.
And as a Pokémon Day gift, we'd like to offer you some items that should come in handy on your adventure. Oh ouais, 30 propulse balls. Please enter the provided password in your game to claim this gift. We hope you continue j'ai pas assez de fer, enjoy moi, your adventures in the Hisui region. J'en ai vraiment besoin pour le coup. Et les galets, même les galets bleus. One more thing. We are pleased non. to announce that production of an online animated series set in the Hisui region has begun. This series will feature an original storyline and is anticipated to launch later in 2022. Please wait for future announcements to learn more. Ok, stylé, petite série animée là. We hope you all look forward to how Pokémon games will continue to evolve in the future. We've shared with you today the latest information about a variety of our games, but to wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Thank you for tuning in. Nouveau film. Game Freak? What? La 9G, Pokémon écarlate, Pokémon violet. Fin 2022, mais quoi? Mais quoi? Attends, quoi? Mais attends, mais les devs chez Game Freak, ça va ou... déjà qu'ils sont pas beaucoup... Ça va les bros, vous avez besoin de soutien parce que... Voilà. Oh le vilain tricheur, c'est pas bien. Fildrogue. Non mais attendez, mais comment ça? Non mais attendez, mais quoi? Laissez-moi juste regarder, la... c'est quoi ça là? Qu'est-ce que... Attendez, waouh, ok, yes. Il y a littéralement la 9e génération qui est annoncée fin 2022. Donc là c'est-à-dire qu'en gros, dans 9 mois, on a la 9e génération. Alors... effectivement en termes de graphisme je crois que c'est exactement à l'image de Pokémon Legend Arceus, hein, y a aucune feinte en termes de graphisme, c'est la même chose, mais le monde a l'air quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus rempli, à voir ce que ça va donner.
Mais je m'attendais pas là, j'avoue. On disait 9ème génération, why not, pas impossible et tout, je pensais pas que ça allait arriver si vite. À mon avis, Pokémon Legend Arceus a été un véritable terrain d'expérimentation pour Game Freak pour ce jeu-là. Parce que ce jeu-là, ça a l'air d'être vraiment, vraiment... C'est sur le même moteur, c'est la même chose que Legend Arceus, mais sauf que là, c'est un vrai Pokémon. Et je pense qu'ils vont passer tous les ranked, etc., etc., tout ce sera sur ça, je pense. Moins beau que Legend Arceus ? Non. En vrai, non, je pense que tu dis ça parce que c'est une vidéo qui, donc, elle-même a été traitée, donc a perdu en qualité, qui, en plus, est retransmise par moi-même sur Twitch, qui repère en qualité. Je pense que c'est pas plus moche, en vrai. Je pense que c'est la même chose, en vrai. J'ai l'impression, en termes de graphisme, j'ai l'impression que c'est un mélange entre Arceus et Sword and Shield. Hein. Il y a un mélange, il y a un truc, quand même, hein. Ouais. C'est un mélange. Et par contre, les starters, alors on va les revoir là, mais je trouve franchement qu'ils ont pas une mauvaise gueule du tout, hein, ces starters. No joke, hein. En général, c'est un peu ce qui me fait peur, j'avoue. Ils ont une bonne gueule, hein. Moi, j'aime bien. Ouais. On verra les évolutions, mais les starters sont pas mal, ouais. Moi, j'aime bien. Ok, ben, franchement, je souhaite vraiment bon courage... No joke, je souhaite bon courage aux devs, hein, de chez Game Freak, parce que là, waouh. Non, mais attends. J'espère qu'ils ont recruté, c'est pas possible. C'est hardcore. C'est d'une violence. Ils ont plus d'inspi, Pokémon écarlate et Pokémon violet. Bon, alors pour résumer très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu ce Pokémon Presents, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les annonces? Pokémon Go, il y a des Pokémon Alola qui sont là. Pokémon Master X, il y a des nouveaux dresseurs. Pokémon Café, petite mise à jour. Pokémon Unite, petite mise à jour aussi avec notamment un nouveau mode de jeu rapide. Pokémon Diamant Perle, il y a les events pour les fabuleux qui sont dispo. Vous allez recevoir une lettre de la part du professeur Shen pour avoir notamment Shaymin. Ensuite, Pokémon Arceus, il y a un premier... C'est pas vraiment un DLC, mais il y a une mise à jour gratuite qui s'appelle l'éveil de Isui avec une petite enquête autour d'apparitions massives mystérieuses, des nouveaux combats aussi qui seront disponibles et quelques cadeaux d'anniversaire, notamment des Propulse Balls, ça c'est pas mal. Une série animée à venir aussi dans le monde de Isui, série animée où on a eu vite fait des images, enfin une image. J'avoue que moi la série animée, ça me hype pas mal, ça peut vraiment avoir une belle gueule, mais ils ont montré juste une photo, hein, pour le truc animé, donc c'est ça. C'est tout. C'est beau, hein. Pour le coup, c'est beau, mais c'est une image, quoi. Voilà. Donc, série animée autour de Isui. L'image est belle, mais il n'y a qu'une image, quoi. Mais l'image est très belle, ouais. Et ensuite, là, il nous laisse avec ce trailer de la 9ème génération. Et je vais donc me permettre un petit tweet, évidemment, pour dire... OMG, la 9ème génération de Pokémon qui a été annoncée. Je souhaite un bon courage à toutes les équipes de Game Freak qui, à mon avis, ont déjà oublié. Déjà, j'arrive pas à écrire. Oublié la notion ont été annoncées. Oui, pardon. La notion de sommeil peu cher. Les pauvres. Bah c'est vrai, hein. Genre c'est hardcore en vrai. Moi je trouve ça vraiment hardcore, ça me fait peur, hein. Je vous jure, hein. Pour moi c'est trop tôt. Après ces Pokémon ils enchaînent souvent, mais là quand même ça va vite, hein. Ils sont plusieurs équipes, ponce. Ouais, regarde, bon courage à toutes les équipes, j'ai écrit.
la notion de douche et de sommeil. Ouais. Ça fait un peu bas déjà. Vous montrez-moi ces starters là. Moi j'aime bien ces starters en vrai. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien ces starters. Hein. J'ai hâte de voir leurs évolutions surtout, mais ouais j'aime bien. J'aime bien. Bon, il est 15h22, le tournoi commence dans 8 minutes, on se recentre un petit peu, mais ouais, quand même des annonces. Il y a eu plus d'annonces que ce que je pensais. C'est-à-dire que Pokémon Go, Pokémon Master X, Pokémon Café, Pokémon Unite, Pokémon Diamant Perle, Pokémon Arceus, 9ème génération, série animée, genre, dans tout ce qu'on avait dit qu'il y aurait, en fait, qu'il y allait avoir, il y a tout eu. En fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de choses. Voilà, c'est chaud, hein. Là comme ça, tu prends quel starter, Ponce? Là comme ça, soit celui de droite, soit celui du milieu. Parce qu'à gauche, il ressemble quand même beaucoup à tous les Luxray, assez classiques, etc. Tu vois. Donc là, dans l'immédiat, ouais, je dirais ça, je pense. Soit le canard, soit le... Ça, on dirait Kaiminus en feu, en fait. Enfin, pas en feu du coup, mais on dirait... Il me fait penser un peu à Kaiminus, vite fait. Mais à droite, là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est dingue. Il est vraiment dingue. Au centre, Kaiminus, ouais, ça fait très Kaiminus. Mais il a une belle gueule, hein, le Kaiminus. Mais le petit chat, ouais, mais le petit chat, on en a à toutes les générations, je les adore, mais bon, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment, ça va, enfin, voilà, quoi, bref. Mario Kart, on y retourne tranquillement. Tranquille. Juste un petit rappel. Vous avez un pari que vous pouvez voter. Si oui ou non, je vais atteindre mon objectif, vous avez plus que... Alors, il y a écrit 15 minutes, mais en fait, c'est faux. Hein. Je pense que c'est un bug. Vous avez très peu de temps, je crois, pour voter encore. Genre, peut-être une minute. Voir, c'est fini, en fait. On va voir. Attendez, vous prendrez quel starter? Moi, feu, je vais répondre. Kaiminus de feu. Il y a un vote qui a été fait, si vous voulez. Mais attends, il y a autre chose, il y a ça. Et ça, on en est où? Ouais, voilà, il reste moins d'une minute si vous voulez voter et prédire pour le tournoi Mario Kart. Un tout petit peu de temps, il reste. Un 10e mois d'abonnement pour mon plus grand plaisir, même s'il est désormais impossible pour moi de regarder tes streams la semaine, car ma vie d'adulte qui travaille a commencé. Force à toi, même s'il y a des lives le soir qui arrivent un petit peu. Voilà, je vous le dis si jamais, mais il y a des lives le soir qui arrivent un petit peu. Ouais. Putain, regardez-moi ça, là. Et ce qui me rassure de ouf, c'est que je suis quasi sûr maintenant que Pokémon Legend Arceus a été un véritable terrain d'expérimentation pour sortir vraiment leur 9ème génération dans le délire de Arceus, avec un gameplay similaire à Arceus, mais un Pokémon plus classique avec une ligue, une tour de combat, du PVP et un monde plus grand. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce qu'on est en train de voir, quoi, vraiment. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. J'espère en tout cas que dans celui-là, j'espère que la 9ème génération, les ranked PVP vont remplacer la 8ème génération Sword and Shield, ce qui, à mon avis, sera le cas. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de Gigamax, Dynamax, machin bidule. J'espère qu'on sera sur des combats un peu plus classiques que ces trucs-là. Après, ça ne... Je sais pas, ça engage que moi, ce genre de truc, mais j'espère qu'on sera sur un... J'espère qu'on sera sur des combats un peu plus classiques, même si je pense pas spécialement, mais on verra. On verra. Je vais juste faire un petit pipi. Les votes sont terminés. Je vais juste faire un petit pipi avant le début du tournoi quand même pour être chaud. Le tournoi commence dans 4 minutes. Je vous laisse avec ce petit trailer à nouveau. Attends, je vous le mets là. Thank you for tuning in. À de suite. Thank you.
Par contre, j'annonce une revanche entre du combat Onutrem Pompon sur cette génération. Ah oui. Ah oui. Et cette fois, Onutrem. Et cette fois, mon pote. Par contre, on est d'accord que, via les images, on remarque qu'il y a beaucoup de générations représentées sur cette 9e, en termes de Pokémon. On a vu de la première, on a vu de la 4e, on a vu de la 2e. On a vu de la 8e. Ils spoilent pas encore la nouvelle, sauf les premiers starters, quoi, mais... Ah, quand même, hein. Ouais. Bon allez, je me focus sur le tournoi, quand même, excusez-moi, je me focus sur, vite fait sur le tournoi, merci Zertz pour le prime, merci à toutes et tous, j'espère que vous avez kiffé suivre ce Pokémon Presents ici, c'était très cool, les annonces étaient un peu au-delà de ce à quoi on pouvait s'attendre, j'avoue, donc assez étonné, agréablement surpris, même si comme d'habitude ça me fait un peu peur... de voir autant de choses en si peu de temps, c'est un peu stressant, j'avoue, de se dire qu'il y a... J'espère qu'il n'y aura pas de backlash, et j'espère que tout sera fait un peu dans les règles de l'art, si je puis dire, même s'il n'y a pas vraiment de règles dans l'art, mais voilà. Des fois, ça fait un peu peur, quand il y a beaucoup de trucs d'un coup comme ça, tu te dis, non mais, comment c'est possible ? Comment c'est possible ?